amis, c'est Juliana et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Sims 4, ça fait longtemps exactement. Donc je vais vous montrer, donc comme vous l'avez vu dans le titre d'abord, nous sommes là pour faire un 100 baby challenge. Alors là on rigole plus les gars, genre avant on faisait des trucs de malade, regardez la maison à quoi elle ressemble par rapport à avant. Donc je vais vous les présenter. Donc voici notre petite Shana, donc dédicace à Shana ma copine, qui... va faire du coup des bébés avec son mari Clément Dominique. Voilà, donc Shana Sanchez et Clément Dominique. Voilà, du coup, on va pas mettre pause, on va faire ça et on va faire essayer de faire un bébé avec Shana. Alors, on va voir d'abord s'ils y vont. Alors là, je sais pas pourquoi ils parlent de poubelle. Essayez de faire un bébé avec Clément. Arrête de papoter. Alors là, ça va être exactement la chambre des enfants. Donc c'est pour ça que... Ok. Alors, on regarde. D'accord, ils y vont. Je regarde pas parce que... Il paraît que YouTube censure. Donc, je regarde pas. Oh! Clémence Clément, il a appris... Il a acquis la compétence de charismatique. Allez. Vous avez fini? Je sais pas s'ils ont terminé. C'est bon. D'accord, ils ont terminé. Donc Clémence, tu vas essayer de faire... De voir si tu as un bébé. Faire un test de grossesse. Alors, je vais la regarder pour voir si elle a un petit bébé. Et on va voir du coup les amis si on va réussir. Oui, elle est enceinte. Mangez pour deux, félicitations, Shana est enceinte. Une nouvelle personne va arriver dans ce foyer. Et oui. Alors du coup là c'est plus compliqué pour eux deux. Donc tu vas lui annoncer la nouvelle. Plus de choix. Amour. Attends, j'aimerais plus de choix. Amour. Plus de choix. Faire crac crac. Bon, on va la laisser. En attendant, j'aimerais, parce que pendant qu'il regarde la télé, j'aimerais que on essaye, du coup, vu qu'on a... Par contre, les gens là... Toi là, tu vas les faire partir parce que... Puis non, mais non. Arrêtez avec vos quelques fruits. Plus de choix. Méchant. Non. Envoyer à son domicile. Envoyer à son domicile. Envoyer à son domicile. Voilà, merci. La prochaine fois, peut-être. Mais non. Mais pourquoi il me pose, d'ailleurs? Bonjour, madame. Mais c'est quoi cette dégaine? Vous êtes qui? Laura Leroy. Bah, Laura... Waouh. Du coup... Ah bah là, tu fais tes pompes ici, là, dans la chambre du bébé. Sachant que là, c'est là que le bébé va être. Donc, Alors, donc, pourquoi... C'est son anniversaire? Hein? Mais quoi? Mais quoi? Genre là, on est là. Mais quoi, je savais même pas c'était là leur anniversaire.
On va prendre une petite photo avec Clément, comme ça. On va pouvoir genre l'afficher dans la maison pour qu'on ait plus de décoration. Ça sera plus joli. Et s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous me le dire en commentaire, comme ça je pourrais la faire. Voilà. Et là, on va... Voilà, alors normalement, si on regarde dans l'inventaire... Je sais pas, par contre... Ah, c'est ici. Voilà, on a des photos. Alors, on va en afficher une dans la chambre. Instagram. Donc on va la mettre ici, celle-là. Oui, ici. Non, vas-y, c'est bon. Mais pourquoi il veut pas se poser? Est-ce que je peux pas la poser sur le au-dessus de lui? Mais... Tant pis, je vais... Oui, comme ça on aura des Simflouz. Du coup, les gars... Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce que... Qui es-tu? Qui es-tu? Nancy, non, t'es... Je sais pas, t'es quoi? T'es italienne, je ne sais pas. Alors, du coup... Ah oui, parce qu'il va avoir... aux anges, un appartement, l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille. Très joueur, waouh, ta tête... Du coup, on va... J'aimerais essayer de trouver... En fait, j'aimerais qu'elle accouche tout de suite, tu vois. Mais pour l'instant, elle a pas de bidon. Pourquoi elle a pas de bidon? On sait quoi? On va la faire manger parce qu'elle a faim. Alors... Regarde dans le frigo, tu vas cuisiner, je sais que t'aimes bien ça. Un sandwich au fromage, familial. Comme ça, il y aura 4 parts et ça sera plus simple. Allez, on le sait, ça, là. Regardez une chaîne d'humour. Non, je veux pas que tu regardes ça, voilà. Vas-y, va nous faire à manger. Donc on va quand même la regarder faire, sachant qu'elle sait cuisiner normalement. Elle aime ça. Allez, cuisine avec Dominique. Ouais, non, en fait. Comme ça, tu pourras manger et ça te fera du bien. Lui, il a pas très faim. Par contre, il aimerait aller aux toilettes. Bah, s'il a faim, mais on va le faire aller aux toilettes quand même. On n'est pas des monstres. Enfin, si, quand même, parce qu'on va leur faire avoir son bébé, mais. Utiliser. Tire pas la chasse. Voilà. Et après, ce sera toi. Ça sera ton tour. Hop, utilise. Voilà. Dès que tu auras fini de manger. Voilà, mange. Ça va te faire du bien. Et après, tu vas prendre une petite douche pour être bien propre. Alors, tu... En fait, les Sims, ils disent qu'elle a un bébé. Une vie qui se déploie dans 20 heures, donc c'est-à-dire... il sera exactement... Bah, ça sera demain. Donc demain, en Sims. Donc, arrête de discuter. Mange. Mais là, tu manges pas, tu parles. Non, ne discute pas. Voilà, mange. Fini de manger. P
Puis toi, vu que t'es un bon mari, tu vas. Ah, génial, elle est géniale. Ah, c'est parfait. Mais du coup, toi, tu vas prendre une portion. Bon, là, comme ça, elle peut aller aux toilettes. Puis toi, tu vas. Prendre une photo. Voilà, tu vas prendre des photos, comme ça, tu pourras. Je sais pas. Mais pourquoi elle a pas été aux toilettes? Ah non, tout va bien. Par contre, après, il faut qu'elle aille dormir parce que son énergie baisse. Donc, elle va dormir juste après. Ah oui. Mais je te vois pas. Voilà. On va prendre des photos de son assiette. Comme ça. Et après. Vu que c'est dans l'inventaire de Clément. Donc c'est là. On va les vendre. Quoi, 19? Mais c'est nul. Bon, au moins on a 19 euros en plus, mais bon, c'est pas top top, hein. Voilà, merci, fais la vaisselle. Donc là, c'est le côté droit pour là. Et le côté gauche, du coup, est attribué à Clément. Voilà, comme ça, nos Sims se vont bien. Alors, il est confiant, toujours avec cette petite. Voilà. Bon, du coup, la grossesse. Ah ouais, mais là, elle dort, elle veut redormir après? Non, tu vas pas réclamer, tu dors juste. On va juste accélérer un petit peu le temps pour que ça soit plus rapide. Après, tu iras dormir. Allez, voilà. Alors. Donc 14h, voilà. Donc c'est bientôt l'heure de faire tout ça. Par contre, on va juste mettre les lumières automatiques. Ça peut être bien. Éclairage automatique. Tous les éclairages. Voilà. Comme ça sera mieux pour nous. Donc là, c'est dans 13 heures. Donc ça passe super vite, par contre, dans les Sims. On va quand même accélérer. 13 heures. Attention. Elle va bientôt accoucher. Donc, pendant que tout ça se passe, on va mettre. Du coup, on va mettre un truc pour le baby. Donc, on va noter. B. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Bébé. Bébé tapis, bébé. Pas bébé recherche. Non, pas décoration. Confort peut-être. Lit. Alors, peut-être si je vais là-dedans et que je vais dans le lit d'enfant. Voilà. Voilà. T'es sûr de tomber dessus. Alors, on va le mettre ici. Mais au cas où, on va en mettre d'autres. Voilà, on en. Ouais, non. Je vais en mettre qu'un seul, on verra. Comme ça, j'en paye moins, tu vois. C'est juste pour ça.
Donc vu que c'est vitesse 3, là je sais pas. Dans 3 heures. Non, c'est pas ça. Pardon. 11 heures. Plus que 11 heures à attendre, les amis. Ah, 11 heures, c'est quelques minutes, tu vois. C'est quelques secondes. Voilà, tout le monde qui s'est réveillé, manger pour deux. Oh! 10 heures. Ok, les gars, c'est bientôt l'heure. On est lundi. Et vu qu'il reste 10 heures. Par contre, il est vraiment. Mais arrêtez! Laissez-moi. Voilà. Quoi? Je serai seulement au deuxième trimestre. Bon, bah tant pis. On va continuer à faire avancer tout ça. Donc, tu discutes pas avec Clément. Tu ne t'assois pas. Allez ici, voilà. Va ici et va ici et. Je sais pas. Alors, je sais pas comment je peux faire. Bon, genre, tu sais qu'elle accouche tout de suite. Parce que moi, je suis pas, tu vois, je sais. Hé, hey, je reprends les Sims, ok? Ça fait giga longtemps. La télé, elle est cassée. Améliorer. Éteins là. Regardez la télé. Elle est cassée. Oh. Voilà. Pas arrêter tant que la télé va mieux. Ok, nickel. Les gars, elle a très très faim. Et bah tu vas reprendre des macaronis au fromage. Et je pense qu'on va mettre aussi dans la chambre des bébés, du bébé. On va mettre une toile pour que ça soit pour qu'il puisse gagner de l'argent. Alors, je vais mettre, je sais pas comment ça s'écrit, toile. Ouais. Confort. Éclairage, décoration. Afficher tout. Mais je sais pas c'est dans quoi, donc je sais pas vraiment, tu vois. Toi. Je sais pas, je pense que vous comprenez. Ah, c'est là. C'est quoi? Loisirs et compétences. Voilà. C'est un chevalier, voilà. Voilà. Et là, comme ça, elle va pouvoir faire une toile classique. Et on va mettre une petite. Et je crois qu'on va en mettre deux. Genre, ça serait pas mal, tu sais? Pour que il y en a deux qui le font. Tu vois? Mais c'est juste le temps que le bébé arrive. Comme ça, on aura tout pour faire sa chambre convenablement. Allez, hop. Non, pas toi. Mais mange! Si elle, elle le jette sur le sol. Du coup. Dans 3 heures, on aura tout ça. Donc, toi. Toile classique. On va faire une petite toile. Voilà. D'avoir, c'est pas mal de faire des toiles. Alors, on va voir ce que c'est. Ah oui, c'est vrai qu'il n'aime pas ça. Je n'y avais pas pensé. Fais ta toile. Non, je veux pas le lit. Toile classique. Petite toile. Arrête. Arrête de discuter avec Clément. Voilà. Bientôt fini. Sa faim est presque au maximum. Harsha Nilsa. Voilà. Ah, il a des compétences. Allez, fais-nous une belle toile. Voilà, elle est pas tendue. Je lui avais pas mis un truc dessus.
Ok, normalement, si on veut avoir le bébé, on est sur une bonne route. Le ou les, hein, je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout où ils vont être placés aussi. Clément, je vois qu'il a bientôt terminé. Ah bah, il a fini. Mettre dans l'inventaire. Pourquoi j'ai perdu 3 euros? Ah mais... Ouais. Alors, on va lui donner un nom. On va l'appeler le lama fâché. Je sais pas si vous avez si vous connaissez lama fâché. Hop, on le vend pour 48 euros quand même. Et toi, t'en es où? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Et arrête de lui parler, genre entre deux, elle parle à son amoureux. Mais fais ta tale! Je sais même pas ce que c'est. J'arrive pas à comprendre. Mais non, je vais pas l'abandonner, qu'est-ce que tu racontes? C'est ça qui nous donne de l'argent. Lui, il fait à manger. Genre, t'es censé savoir cuisiner, poteau. Du coup, je vais regarder quand même dans combien de temps on passe au deuxième semestre. Dans 2 heures, ben, je vais faire ça. Et comme ça, je pourrai mieux voir ce qui s'étoile. Ok, donc tu vas le mettre dans l'inventaire. Je vais la vendre. 52 euros, c'est... tu sais quoi? On va faire une toile moyenne pour une fois. Arrête de lui parler. Fais ta toile, c'est important. Oui, tu aimes ça, oui, on sait. Dans 23 heures, on a le troisième semestre. Niveau supérieur de la peinture, nickel. Mettre dans l'inventaire. Arrête de bavarder. Hop, on va faire une grande toile cette fois. Oui, t'es très inspiré. Moi, je suis pas capable de faire une toile, tu vois. Une grande toile comme ça, je suis pas capable, c'est moi qui te le dis. J'aime bien dessiner, faire de la peinture. Mais franchement, fou. Et dans 21h, on passe au troisième semestre. Je sais plus il y a combien de semestres dans une grossesse. Elle commence à voir un bidou. Elle est passée direct. Genre, tu vas me mettre dans l'inventaire. Et tu vas reprendre la toile parce que tu es très inspiré. Je ne veux pas que... C'est quoi ça? À la fin. Faites-la manger avant que la faim n'empire. Affamée dans 12 heures. Ah oui, pardon. Et bah toi, tu vas faire de la cuisine. Tu vas me faire un gâteau de riz. Tu vas me faire une familiale. Et comme ça, elle peut faire sa peinture tranquillement. Allez, fais ça. Voilà, comme ça, elle est tranquille. Voilà, après, toi, tu vas... Non, pas toi. Toi, tu vas me la mettre dans l'inventaire. Comme ça, je peux vendre ce chef-d'œuvre. Et tu vas me faire... Une photo de référence. Tu vas faire une petite toile de référence. Je sais pas, elle va dessiner qui? Ah non, elle doit se prendre en photo, elle. La photo du berceau. Hop. Voilà, vas-y, tu peux me faire ce berceau, s'il te plaît. C'est nickel, c'est parfait. Genre ça, c'est vraiment incroyable. Et toi, du coup, tu vas... Attends, non. Toi, tu vas me la mettre dans l'inventaire. Merci. Alors, désolé si je te laisse pas dormir. Toi, tu vas aller ici. Et toi, tu vas faire... Non! Toi, allez ici. Toi. Bon, on va faire une photo de référence. Une grande toile. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous allons prendre en photo? Pas la porte! C'est un magnifique chef-d'œuvre quand même, une porte. C'est tout ce qu'on a besoin. Une porte.
Genre, elle va vraiment dessiner la porte, tu vois. Alors. Ok, dans 13 heures, on est au troisième semestre, les gars. Ça commence bien. Mais arrête de me parler. Oh. Les Sims proches de leur famille adorent être amis avec les membres de leur famille. Elle m'a dessiné la porte. Mais là, dans mon inventaire, voilà, c'est bien. Et ce qui me fait plaisir, c'est que... En fait, là, on est en train de gagner beaucoup d'argent. Par contre, je ne vois pas... En fait, je suis que dans l'inventaire, donc je ne vois pas ce qu'elle a besoin. Quoi? La vessie. Attends, ma belle. Voilà. Hop. Utiliser. Voilà. Va faire pipi. Oui, va les utiliser. Mais genre, elle est bien alors qu'elle est mal à l'aise. Puis après, elle a faim. Tiens, ici. Y a pas... Prends une portion de ça. Je sais pas c'est quoi. Oh non, la prends pas. Nettoie ça et va cuisiner un truc rapide. Allez. Une portion individuelle parce que là, ça va pas le faire. Voilà, lave-toi tes mains, vite. Ouh là là là, très faim. Ok, dans 7 heures, elle est au troisième trimestre. Oh oui, elle est géniale. Oh non, elle est géniale. Je te jure, c'est la meilleure c'est la meilleure cimette que je n'ai jamais fait. Dans ma terre entière. Je sais pas, normalement, quand je... Bon, lui, par contre, ouais. Voilà, fais-toi à manger, comme ça, tu te sentiras bien. Puis après, tu iras te coucher. Voilà. Et toi, du coup, vu que tu dors depuis tout à l'heure, tu vas me faire une toile. Bon, allez, une petite toile. Voilà. Je sais que tu vas être tendu, mais quand même. Je suis pas fière de toi. Hein. Tu fais que ça. Dormir. Bon, tu vitesse normale, je vais me mettre une grosse vitesse. S'il vous plaît. Allez, arrête d'abuser. Là, tu es vraiment en train de m'énerver. Puis après, vu que tu veux te divertir, tu regarderas... une chaîne d'action. Allez, pourquoi pas. Tu vas me la mettre dans l'inventaire, s'il te plaît. Par contre, t'as faim. 79. Voilà, c'est bien. Il mange, il s'est fait à manger. Et après, tu iras prendre une douche rapide. Et après, tu utilises les toilettes. Voilà. Tout va bien. Donc là, on est en train de gagner de l'argent. La pauvre, elle est en train de dormir. Elle est pas bien, franchement. Et elle fait une grossesse. Et du coup, c'est assez compliqué. Dans quelques minutes, ça y est, on est au troisième trimestre, les amis. Alors, attention. 3, 2, 1. Ah ouais, mais non, mais moi, je vais trop vite. 3, 2, 1, go. Alors, elle a faim. Et ce sim, c'est presque terme. Il est plus près d'avoir fini. Oui, tu as faim. Vas-y, fais-toi manger, ça va, t'es trop rapide. Alors. Quoi? Mais t'as envie d'aller aux toilettes? Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais quoi, c'est trop dur. Utilisez. Mais moi, je suis en vitesse 3 aussi. Je suis bête. Je vais mettre la vitesse 2, ce sera plus simple pour moi. Voilà, mange. Ce sim, c'est presque terme. Il est plus que prêt d'avoir un enfant et de finir. Accouchement dans... Ah oui, tu sais pas, elle peut accoucher à tout moment. Par contre, je suis trop contente. Une sim heureuse trouve que la vie est belle. Le bonheur rend n'importe quelle émotion positive encore plus forte. D'accord, donc là, le travail peut commencer à tout moment et le bébé sera dedans. Et là, la vidéo sera terminée parce que, voilà, les amis, voilà. Et on fera dans la prochaine épisode, voilà. Du coup, là, à tout moment, le travail va commencer. Elle chante? Je sais pas, j'entends pas.
Blush. Allez. Je veux qu'elle accouche. Genre, on sait pas quand est-ce qu'elle accouche. Mais les Sims, eux, ne savent pas. Quand est-ce que... Bah, en fait, les Sims, ils peuvent pas savoir, genre que... Ah, merci, t'es gentille, ma belle. Merci de faire une toile. C'est bien. Alors, par contre, je vais mettre la vitesse 3, je suis désolée. On va mettre la vitesse 3, comme ça, on peut accoucher à tout moment. Et ce sera plus simple pour nous. Je sais pas si vous m'entendez bien. Ouais, je sais que t'as la grossesse qui arrive. Et que t'es heureuse. Oh, ouais. Il a moi dans mon inventaire. Voilà. 180 et franchement, c'est pas mal. Quoi? Ah, j'allais dire à la couche déjà. Par contre, ça fait longtemps. Genre, si je me mets normal, genre, imaginez le temps que ça fait. Shana, coche. Oui, mais... Voilà. Oh, une grande toile, elle me fait. Ah ouais. Qu'est-ce qu'elle fait? Alors là, tu me déçois. Tu me déçois, ma belle. Hein. Bon, bah, je vais me mettre dans l'inventaire et... Ça, c'est pas cher. Je retire ce que j'ai dit, merci. Genre un truc aussi moche vaut aussi cher. Par contre, tu me reprends 50 euros. C'est bon, bon. Tu sais que tu vas bientôt accoucher. Waouh, c'est joli. Genre je dis, mais comment tu fais pour aimer la peinture? Et là dans l'inventaire et après tu pourras dormir. Allez, mais c'est long les gars. Je sais pas, la vidéo elle dure combien de temps. Mais franchement, c'est long. Très mal à l'aise. Alors, toilette utilisée. Alors, je vais regarder quand même tout ce qui va pas. Ah ouais, la vessie, l'hygiène, ça passe encore jusqu'à la très très faim. Elle a faim. Oh, ma belle. Cuisine un truc. J'ai une salade de jardin. 4. Pour 4, comme ça, il pourra manger aussi ton colocatel. Parce que je sais pas s'il a faim. Ouais, il a faim. Mm-hmm. Allez, ma belle. Faut que tu accouches. Ah, accouche. Ah, accouche. Ah, accouche. J'ai hâte d'avoir, tu sais, la petite information. Le travail a commencé. Genre, tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça. Donc, ça me fait plaisir. Tu vois. À ce que tu vois. Voilà, une belle salade du jardin. Et toi, tu vas te réveiller et tu vas t'asseoir ici. Ah non, pas toi, pardon. Toi, t'es déjà debout. Assieds-toi. Voilà, tu es bien, donc ça, c'est bien. Tu es bien, donc ça, c'est bien. Waouh. Maintenant, elle sait trop bien cuisiner, par contre, Shana. Alors, Shana, désolé, si tu voulais pas d'enfant, c'est pas ma faute. Hein. C'était le... Ah, tu pourras me le nettoyer? Voilà, assis-toi à la perfection. Waouh. Mais arrête! Mais non, mais arrête! Chubby. Ah. Voilà, il prend. Prends. Oui, quoi? Grins. Voilà. Prendre une portion. Et après, tu vas astiquer ce truc à la perfection parce que c'est vraiment dégoûtant. Et je suis très sérieuse en disant cela. Par contre, je me demande quand est-ce que le travail va commencer. Je suis en vitesse 3 exactement. Vas-y, astique, 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 astique. Si un jour je dois faire ça, genre pour quelqu'un, je meurs.
C'est... Mais quoi? Mais arrête de me prendre de grandes toiles. T'arrêtes de vouloir lui parler. Ouais, niveau 5, bravo ma belle. Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Attends, parce que là... Ah non, j'ai pas de... Non, je suis pas tenu. Bah, mets-le-moi dans l'inventaire, on va voir ce que ça vaut. 241, bah bien. C'est waouh, très cher. Ah oui, mais fais une petite sieste. Mais ça arrive, écoute, tu vas accoucher. Oh non, non, toi par contre, ouais, t'es waouh. Tu vas me le réparer et après tu vas essuyer. Et très bien essuyer. Frénétiquement, il est noté. Qu'est-ce qu'il fait, ce pénétré, ça, il... Oh oui, merci, t'es gentil, toi. Genre, il veut... Oh oui. Oh, qu'elle va être belle, cette toile, je le sens. Arrête. Bah, regardez Rome, regarde Romain. Ça y est, le travail a commencé, les gars. Le travail a commencé. Et... Mais non, mais qu'est-ce que tu fais, mais le travail? En tout cas, on a eu un petit signe qui dit que le travail a commencé. Donc toi, tu vas manger. Oui, allez. Voilà, fais ton pipi. Voilà. Allez, ma belle, tu peux tout faire. Donne tout. Mais arrête. Arrête de faire la vaisselle. Arrête. Mais non, mais elle se moque de moi. Le travail a commencé. Oui, ça y est. Ça y est. Chana est en train d'accoucher. J'ai trop hâte. Félicitations. C'est un garçon. C'était le truc le meilleur. Bah, tu sais quoi, on va l'appeler Sacha. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On va l'appeler Sacha parce que Chana. Voilà. Oui. Donc. Sacha. H.A. Nickel. Ah, on a... Oh non, on a qu'un seul petit garçon. En plus, il pleure. Il veut quoi, le petit? T'as plus de bidon. Ok, les amis, du coup, forcément, comme je vous l'avais dit, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si la vidéo vous aurait plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et sur ce, ciao ciao !